Attention de parler dans les lignes. Oui, attention. Ouais. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une pêche de la carpe dans un petit étang communal qui est connu de personne d'ailleurs, parce que c'est même pas un étang qui est indiqué sur les sites de la Fédé. Il appartient à la commune d'ici. Donc c'est un petit étang communal. On peut pêcher comme on veut, un peu à l'arrache, quoi. Et là j'ai posé deux cannes là, ici là. Deux cannes sur un rodpod. Comme stratégie, j'ai employé un montage sur une bouillette de 20 danse avec une pop-up. Une petite pop-up de 7 mm en fluorescent là. En rose fluo là. Et j'ai posé une autre canne avec une bouillette de 16 et une bouillette 16 de danse. Et une pop-up de 16 aussi, avec un maïs breton. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme carpe là-dedans, quoi, en fait. Peut-être qu'il y a des beaux spécimens, j'en sais rien du tout, je vais essayer, on va voir. Comme dit l'autre, celui qui ne tente rien n'a rien, quoi. Apparemment c'est un étang où il y a des brèmes, des gardons, des tanches, du brochet, et puis bien sûr des carpes, parce que si je pêche la carpe et qu'il n'y a pas de carpe, c'est compliqué. Apparemment il y a pas mal de belles carpes là, donc je vais essayer, je vois. On va voir si ça fonctionne. Je vais changer un petit peu de stratégie. Je vais utiliser une petite pop-up Je vais utiliser une petite pop-up en 7 mm pour voir si j'arrive pas à attraper des brèmes. Je vais voir si j'arrive pas à attraper les brèmes en faisant cette stratégie là. Même une carte d'ailleurs. Peu importe. Voilà. Une petite bouillette en 7 mm. Un petit truc, un petit montage comme ça, quoi. Ah ouais, si j'arrive pas à taper une brème avec ça. C'est hier. Regardez, troué dedans. Comment ça va pas couler? Faire des trous pour que ça coule, mais comment ça coule pas? Tu veux vraiment que ça descende vite, et quand on veut que ça descende vite, il faut mieux faire des trous dedans. Après, suivant la stratégie que tu emploies, tu peux faire descendre un sac comme ça très lentement quand tu pêches dans les herbes. Vraiment le poser dans l'herbe, la bouillette. C'est intéressant. On va arriver sur la fin de cette vidéo. Bon, la journée n'a pas été
n'a pas été prolifique pour moi. J'ai fait une touche, je pense que c'était une brème. Les poissons sont vraiment inactifs, quoi. Il n'y a pas du tout d'activité. J'ai essayé de faire le pic d'activité, s'il y avait un pic d'activité dans l'après-midi, là, mais rien du tout. Donc je reviendrai sur cet étang là et je pense que je vais faire du fish sur cet étang, je le sens vraiment bien. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de poissons parce que si j'arrive à faire un départ de brème là, je pense qu'il y a moyen de se faire du poisson, soit de la carpe, soit pêcher au feeder là, faire des gardons et puis des brèmes au feeder. Je vais essayer de plusieurs sessions ici, essayer de comprendre ce plan d'eau, quoi. Vraiment, je pense que vraiment il y a moyen, quoi. Bon, sur ce, à une prochaine vidéo.